Et salut à tous, c'est l'épisode 3 de Tiny Toons. Voilà. Oh, le niveau le niveau est dans l'espace, voilà. C'est un space opéra. Ok. Je suis un chevalier d'honneur. Je combattrai l'armée de l'Empire du Mal par moi-même. Pendant que je fais ça, je sauverai la princesse Babs. C'est très Star Wars, là. Princesse Leia. Et chevalier, c'est Jedi, hein. Eh oui, je veux devoir te sauver. Blablabla. Ok, time for me de... Il est temps pour moi d'être capturé. J'ai pas compris la dernière phrase, mais c'est pas grave. Enfin bon, c'est du Star Wars, donc c'est super cool. Voilà, des espèces de R2D... de méchants C3PO. Là, c'est les Stormtroopers. Oh putain. What the fuck? C'est une vie perdue comme une grosse merde. Alors, y a pas un truc par là? Non. Alors, on va faire attention. Ah, oh, mais putain, j'ai pas pu... Ah oui, depuis, bien sûr. Je vais avoir un game over dès le début du jeu, quoi. Dès le début de l'épisode. LOL. Le couac. Je voulais faire ça à la base, hein, mais... Ce n'était pas prévu. Mais au moins, j'ai vu qu'il y avait une carotte en haut. Enfin, je me souvenais qu'elle était là. Il y en a deux dans cette partie du niveau. Enfin, juste que je les atteigne. Alors, eux, il leur faut deux coups pour mourir. Ah, je me gratte un peu le nez. Je déteste les passages comme ça. Ça me fait penser un peu à... Ah, si vous y avez pas joué, ça me fait un peu penser à DuckTales. Un truc qui sert à rien, d'accord. Parce qu'il y a un petit passage comme ça, là, justement au dernier niveau aussi. Et un passage assez chiant, d'ailleurs, que j'ai toujours pas réussi à finir. Alors, voilà, j'y vais comme ça. On va tuer les C3PO méchants. Oh putain, bâtard. 2... Ah, je peux pas faire comme ça, d'accord. Je peux pas faire comme ça non plus. Oh putain, bâtard. Putain, je fais le toucher. Bon. On va se concentrer. Faut que je saute là-dessus. Voilà. Non, on va y aller doucement. Parce qu'il y a des trucs. D'accord, je sais pas comment j'ai fait. Ah non, c'était la clé qu'il y avait là, putain. En fait, je me souvenais plus. Je croyais que c'était un bonus de vie. Il doit être par là, alors, le bonus de vie. Ok. Voilà. Voilà. Ah oui, c'est beaucoup mieux. Donc, j'ai eu la clé. Et si vous avez remarqué, sur le vaisseau, il y avait un petit loquet. Je vais passer par là, ce sera plus ça. Ce sera plus safe. Voilà, juste là. Ça débloque la... Non, bah, du coup, il y en a que un de trucs pour récupérer de la vie. Parce que je pensais qu'à la place de la clé, c'en était un également. Bon, bah, c'est pas grave. Donc, c'est la suite du niveau. J'ai déjà la clé, donc pas la peine d'en avoir une deuxième. Et... Oh! Un rayon de lumière. Voilà, donc là, c'est... Je peux faire passer les oreilles au travers, mais là, je m'en souvenais pas de ça. Voilà, je marche dedans. On va savoir pourquoi. Oh la gueule. Et là c'est... Ah oui, oh putain. Ok. Alors vous allez voir, là j'ai des trucs. Gros machin. Et... Voilà, il faut que je me cache. Quand vous voyez une petite étoile, qui devrait pas tarder, voilà, ici. Ce qui fait que je dois me cacher. Voilà. Alors celle d'en bas a pas été touchée.
contre, je dois monter à celui d'au-dessus, là. J'ai pas le choix. Voilà. Alors, ce passage, à savoir que si vous jouez en facile, c'est le... J'aimerais bien qu'il y ait un truc. Ok, fallait pas passer par en haut, du coup. Donc... ça m'apprendra. je me reprends. Si vous jouez en facile, c'est le dernier passage du jeu. Après, vous avez fini. Mais si vous jouez en normal et en hard, y a toute une autre partie après. Donc pour vous dire qu'en easy, le jeu est vachement plus rapide et vous avez beaucoup moins de boss. Par exemple, le boss du premier niveau, il est inexistant. Mais par contre, le boss de la maison hantée, je crois qu'il y est en facile. Je passe en haut, je crois. Pardon. Ok, donc, on va pas faire le con. On va y aller safe. Hop, vite. Voilà. C'est bon. Alors, je vais pas récupérer l'étoile parce qu'on s'en fout. Voilà, il faut bien que je passe en bas, en fait. Ah, putain. Ah. Et ouais. C'est ma dernière vie, fait chier. Ah, je ferai une ellipse, je pense. Ah, ouais, je ferai une ellipse si je perds. Bon, j'espère pas. Non, si je me démerde bien, je devrais être capable de récupérer une vie. Petit bug de clipping là, hein, si vous avez remarqué. Ah, je devrais pouvoir récupérer une vie, théoriquement. Je devrais pouvoir le faire. J'aimerais bien. Ça m'arrangerait. Alors, on va récupérer. Voilà, je le récupère là parce qu'il en a besoin. Oh putain. Ah, ça c'est salaud ça. Donc note à moi-même, monte là. Connard. Enfin bon, je pouvais être touché une fois, il y avait une carotte dorée ici. Je pouvais... Ah putain, merde. Oh, je savais plus. Ah voilà, donc ce passage-là, il n'existe qu'en mode normal et en mode difficile. Ah, enfin, à partir de ce passage-là. Donc là, il faut que je joue avec la boule, joue avec la grosse boule, pour pouvoir casser le sol et débloquer les passages. Saut arrière, alors ça, c'est un bug du jeu. Hop, et là, il y a des étoiles. Donc ça inverse la gravité, donc c'est assez perturbant quand on est gamin. Je vais récupérer l'autre. Putain. Voilà. Quand on est gosse, c'est vachement perturbant. Oh, le bug, putain, je passe derrière. Mais quand on est adulte, quand on est habitué à des trucs de jeu comme ça, ça va quoi. Enfin, je l'ai déjà dit, mais c'était mon premier jeu, donc forcément ça me perturbait quand j'étais gamin. Alors là, il y a un mini-boss. Alors vous reconnaissez le bumper qu'on a vu dans le niveau précédent. Mini-boss, tu parles. Alors, il me semble que là, j'ai un choix à faire entre hard et easy. Pardon. Putain, j'arrête pas de roter. Honnêtement, on va faire easy. Ok. On va faire easy. Alors, il y a un checkpoint, j'ai vu. Middle point. Voilà, prochaine zone, c'est parti. Il me semble que c'est la dernière zone du niveau. Alors, je peux passer par là, donc ça c'est cool. Ah oh, putain. Pas eux. Ça va. Alors j'ai une clé, elle va me servir pour skipper tout le level. Alors non, faut que je passe en haut. Hop, ça va plus vite comme ça. Tac. Elle va me permettre de skipper une bonne partie du niveau. Si je retrouve où est-ce qu'il faut l'utiliser, ça devrait pas être très loin.
merci. Oh, what the fuck? Voilà, c'est là, je crois. Si j'ai bonne mémoire. Yes. Oh putain. Oula. Et si je fais bander l'élastique à fond, bah, comme ça d'ailleurs, voilà, hop là, je vole jusqu'à la fin. Et là, faut que je fasse attention. Alors, je crois que je peux passer par là. Non, peut-être pas. Je peux sauter? Non. Oh putain, c'est pas vrai. Ah, connard de merde. Oh mais putain, t'es sérieux? Ah, je pouvais pas l'esquiver. Ok. Bon. Ça me ferait chier de perdre ma dernière vie ici quand même. Hop là. Oh putain le con. Eh ouais. On se fait une ellipse. Bon allez. On se retrouve là où j'ai perdu en fait. Continue. Merci. Bon, voilà, j'ai rushé le niveau, j'ai pas perdu de vie. Tout va bien. On va reprendre ici. Parce que je trouve que ce passage est cool. J'aime bien ce passage. Donc je vous le remets. Alors on va essayer de le faire en un coup. Ça va pas être possible. Ah, oh, t'es sérieux? Je peux le faire en un coup. Hein. Hop. Checkpoint. Ouais, je vais pas le faire en un coup. C'est pas grave. Donc. Tac. Tac. Next zone. Bon, c'est où je suis mort comme une grosse merde. Voilà. Alors faut que je fasse attention parce que j'ai qu'un point. J'ai qu'un point de vie là. J'ai 73 étoiles. Ça va le faire. Alors, est-ce que le shortcut était vraiment indispensable? Enfin, ouais, je peux que passer par le shortcut. Ok. Oh, enculé. Je m'y attendais pas. Bon. C'est pas grave, il me reste 2 vies. En fait, ouais, je pouvais passer comme ça, je suis con. Très. Allez. Les gros canards avec des gros cerveaux. Faut bien que je passe en bas, hein. J'ai pas vraiment le choix, je crois. Allez, toi, tu crèves. Hop. Voilà, boum, je t'ai vu arriver. Je me souvenais pas que je pouvais renvoyer les balles. Alors, elles me font mal quand même, mais... Alors, il me semble que là, c'est le boss. Alors, hop, on va faire une sauvegarde. Juste parce que je suis un lâche. Hein, puis comme ça, ça fera des ellipses moins longues. Ah, la boss finale du jeu. Ça fait très peur. Oh, c'est Dark Vador. Gentil lapin, tu es plus puissant que je ne le pensais, oh chevalier d'honneur Jedi. Eh, où est la princesse Babs? Je te la rendrai si tu peux me battre. Essaye de me paralyser. Prends mon gun paralysant dans ta gueule de lapin.
Je te préviens, ne sous-estime pas ma puissance. Pétage de câble. Alors oui, il fait bobo hein, le truc. Hein. Ouais. Il est juste super chiant à esquiver. J'arrive jamais en fait. Alors, je crois qu'on va se retaper la petite cinématique du début. Donc on fait un peu le con en attendant. Oh, oh le goût. Yeah. Eh ouais, on se retape la cinématique. Je peux pas la saper? Non. Oh dommage. Bla bla bla, gentil d'abord. Ok, on a compris. Bla 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 bla. Mon gun paralysant. Ne sous-estime pas mes pouvoirs de Jedi de la mort qui tue. Oh putain, enculé. Je pouvais pas esquiver. Oh, t'es sérieux? Je hais ce boss. Je l'ai pas touché. Alors, va te faire mettre, chargement rapide, voilà. Ce sera plus simple. Hein. Oh, joli. Je propose même que je fasse une sauvegarde rapide après ça. Parce que c'est... S'il faut se le taper à chaque fois. Bla, bla, bla. Ne sous-estime pas ma puissance. Tiens. Voilà. Chargement rapide. Chargement. Sauvegarde. Alors, hop. Oh putain, t'es sérieux. Voilà, boum. Mange. Je m'auto-attaque, mais c'est pas grave. Allez, putain. Crève. Oh putain, j'ai fait crever. J'ai buté. Non, 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 ta gueule. Allez, putain, mais crève, bordel de merde. Oui. Non, 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 non. Putain, connard. Putain, c'est chaud en fait. Croyez-le ou non, mais c'est super difficile. J'ai eu. C'était chaud. Et ben voilà. Aïe. Ah, la petite musique, attention. C'est beau. Merci, oh chevalier d'honneur, Bester Banni. Oh. Comment tu peux te remercier? Suce-moi la bite, salope. Ah, tu es magnifique, merci, je sais. Fort, ah oui, je sais, merci. Tu es beau gosse? Ah ouais, moi aussi. Cool, je le savais, hein, c'est pour ça que vous regardez mes vidéos. Et le plus grand? 1m87. Les gros bisous. Buster qui a l'air blasé. J'ai Dark Vador. Stop, stop, stop. Combien cette merde va encore durer? Mais c'était Plucky. Eh oui, car tout le jeu n'était en fait qu'un tournage de cinéma. Surprise. Surprise, motherfucker. Eh hey, attends, ce n'est pas encore la fin. C'est vrai, il y a encore les crédits. Voilà. Faites-les tourner. Et j'ai jamais vu les... Ah si. Ah ouais. C'est ça le truc spécial qui est à la fin. Quand on finit en hard. Alors, que j'explique pourquoi j'ai surpris. Parce que normalement, quand on finit en normal ou en facile, on a que l'écran noir.
Ah oui, puis on a plein de... Il y a plein de petites scènes. Ah, c'est cool. Ah, je regrette pas. Non, je ne chanterai pas. Même si je connais la, le truc par cœur, vous avez qu'à la chanter à la, au premier épisode. Hein. Je la remettrai pas. Elmira et Montana Max. Hein. Oh, Elmira est folle amoureuse de Montana, mais Montana ne l'aime pas. Timina et la souris, je sais plus du tout comment elle s'appelle. Je crois que je l'ai déjà dit, mais il y a une chaîne YouTube qui a quasiment tous les épisodes de la saison 1. Je crois qu'il y en a une soixantaine, je crois. Et honnêtement, revoir les épisodes, c'est magique. C'est vraiment magique. Oh, vous avez vu, il me remercie à la fin. And you. On est petit et gentil et un peu barge aussi. Les Tinytoons sont là pour vous et vos amis. Et le jeu est fini. Bam. Voilà. Est fini. The end. Et bah juste après, je vous propose de voir les mini-jeux que j'ai pas pu vous montrer. Donc bah c'est pas la fin de l'épisode. Donc allez, à tout de suite. Et le petit bonus, oui. Donc on va essayer d'avoir les trois mini-jeux que j'ai pas pu vous montrer du coup. Parce qu'on a vu que Sweet Plucky et Sweetie. Il y aura celui de Babs, de Timmy et de... C'est pas Porky, mais c'est Hampton. Ah, Sweet Babs. Et celui de Hampton, je l'aime pas, donc si on peut ne pas le faire en dernier. Alors, le jeu est Babs, trouve tes amis. Tu as une chance de gagner des vies supplémentaires. Eh ouais. J'adore dire oui. Alors là, j'ai 30 secondes. C'est un espèce de labyrinthe. Et je dois... Ah, il s'appelle Arnold, le pitbull. Alors, c'est parti. Donc, vous voyez, j'ai des potes. C'est un espèce de Pac-Man. Hein. J'ai tous mes potes qui sont enfermés. Putain, il m'a vu. Alors là, il y a... Puis toi, là. Je crois qu'il y en a encore un. Bon, voilà. Vous voyez un peu le délire de ce mini-jeu. C'était ça. Allez, mini-jeu suivant. Donc, celui de Babs, voilà. Très belle transition. Celui de Babs, donc, c'était tout simplement un petit labyrinthe assez sympa. On peut gagner facilement 3-4 vies avec. Je crois que le max, c'est 5. Allez, s'il te plaît. Un qu'on n'a pas vu. Ah. Yes. Et ce sera Sweet Porky que j'aime pas à la fin. Hampton, pardon. J'adore ce jeu. Le championnat de squash de Timiné. Oh, de souvenir, il est génial. Combien de fois est-ce que tu peux toucher la balle? Si tu peux la toucher 15 fois sans rater, tu auras une vie supplémentaire. La balle va plus vite à chaque fois que je la touche. Il y a Hampton à côté, mais c'est pas grave. C'est parti. Voilà, c'est ça. J'adore. Oh, Miss. Voilà. C'est aussi simple que ça. Oh putain, il y a eu un petit lag. Oh, ça se fait pas. Mais de sérieux, je l'ai loupé. Non mais il est sympa comme jeu, mais c'est juste galère. En fait, c'est la perspective qui est mal foutue. Donc du coup, bah des fois... Ah, je peux stopper le... Ah, je savais plus ça. Si je touche Calamity Koya, ça stoppe le timer. Allez, voilà. Ah, et quand je touche le petit bip bip, ça me donne une vie. Bon, bah c'est cool. J'ai appris ce mini-jeu ce que c'était.
Voilà. C'était le mini-jeu très sympa de Timiné, je l'adore, honnêtement. Et on va essayer de trouver celui de Hampton. Comme de par hasard, je m'en doutais. Celui d'Hampton, c'est le dernier. Comme par hasard. En remarque, au moins, je l'ai pas eu pendant le let's play, donc... j'ai pas pu m'énerver dessus, c'est ça qui est cool. Hein, je vais l'avoir. Yes, oh putain, en deux essais, je l'ai eu. Hein. C'est cool. Je serais débarrassé plus vite. Le Hampton a faim, voilà, il s'appelle comme ça. Et c'est un putain de puzzle game. Voilà. Alors, faut que je bouge les tuiles pour que Hampton puisse manger toutes les pommes. Je crois qu'en appuyant sur B, ça va plus vite. Ouais. Alors, faut que je fasse ça. Alors, quand j'étais gauche, j'y arrivais pas. Hein. Qu'on soit bien clair. Voilà. Ah bah il en aura pas récupéré une. C'est pas grave. Je peux toujours essayer de l'avoir. Ça va être galère. Ça va être très galère. Je pourrais pas l'avoir, je crois. Ah merde! Attends. Allez Erwan! Ah putain! Ah bah j'ai failli l'avoir. Mais c'est pas le mini-jeu que je préfère. Voilà. Et bah pour la fin de cette vidéo, voilà, je retourne sur l'écran titre, hein, pas de respect. Et je vous dis rendez-vous dans un prochain let's play. Et petit indice, ce sera du Pokémon. Hein. À vous de deviner quelle version. Ça va arriver relativement vite. Donc je vous dis à la prochaine, allez salut à tous.